Bonjour à vous. Venez vous promener avec moi. Petite visite du village d'Estoy, village typique portugais, avec ses façades multicolores et décorées par ses carreaux en faïence, vert, jaune, bleu. Son église sur votre gauche. Et ces petites rues. Soyez patient, un palais nous attend. De ces rues méandreuses. Un palais au bout, nous sommes une charrette pour y accéder. Un palais transformé en hôtel qui a su garder ses valeurs, jardin, point de vue, histoire. Ici, nous nous trouvons sur les hauteurs de São Brás do Alpoentel. Quelle vision! Avant de partir à la découverte des pistes du parc de Fonte-Ferraro, où de grosses peurs, de grosses découvertes et surprises nous attendent. Petite ruelle typique portugaise. Au bout de celle-là, sur votre main gauche, ou là. Ne pas prendre le drap de la mamie. Quelle vision va nous attendre là-haut? Quel ciel bleu, d'un bleu, bleu. Magnifique vision, grandiose.
bout de ces pistes, quel régal. Un peu de samba. C'est ça le Portugal, bien entretenu, pas un déchet, que du régal. Passons dans le lit de la rue du ruisseau. Quelle surprise va nous attendre au bout? Un mimosa sauvage, jaune, dans ce ciel bleu. Et ce joli ciel bleu, ce joli soleil, en pleine face, ne perdons pas la concentration. La moindre erreur ne pardonne pas. Oui, oui, oula, ça descend. Paysage de rêve, typique d'un western à grandeur nature, de multiples surprises naturelles à l'état brut nous attendent au bout de ce chemin.
Quelle jolie fleur. On se regarde. Il est temps de rentrer. J'espère vous avoir fait passer un bon moment. À bientôt. Et un petit pouce en l'air. Et merci de vous abonner. À bientôt. Thank you.